Bonjour, moi c'est Gugu et je n'ai toujours pas de micro-cravate. Le son va être dégueulasse. Mais voici ma vidéo. Jingle! Vais vous parler de la grosse différence selon moi entre le RGB Pi et le Recalbox RGB Jama. Le RGB Pi, c'est quoi? C'est une board concurrente du Recalbox RGB et Jama. Globalement, ça fait quoi? Eh bien, ça fait tourner des jeux via un front-end et des émulateurs sur votre borne. Voilà. Ouais, c'est très proche du Recalbox RGB Jama. Mais alors, vous me direz, vu que ça existe depuis quelques années, à quoi ça sert d'acheter plutôt le Recalbox RGB Jama? Et pourquoi j'ai été conquis? On y vient. Suite au lancement du Recalbox RGB Jama, j'ai vu pas mal de gens sur les forums s'exciter un petit peu en disant « Ouais, mais le RGB Pi, ça existe depuis des années, c'est même un peu moins cher, c'est quoi l'intérêt? Vraiment, c'est naze et tout. » Bon, au-delà que ça soit naze, c'est toujours bien qu'il y ait de la concurrence, et surtout quand elle amène des choses en plus, voilà, qui sont pas forcément dites sur Internet ou en vidéo comparative, donc c'est pour ça que je vous propose cette vidéo. Et donc le nerf de la guerre, c'est quoi? Pourquoi? C'est parce que le Recalbox RGB Jama, ça fait mieux. Ça fait mieux sur quoi? Et pas grand monde en parle, mais en fait le RGB Pi souffre pour moi d'un problème qui est quand même pas négligeable. Leur menu, il y a des ondulations, c'est moche. Ondulations vidéo. Dans les jeux, ça va. Mais ça va jusqu'à une certaine limite. Si vous aimez les jeux tâtés et que vous voulez y jouer sur un écran Yoko, eh ben, c'est tout aussi moche, tout aussi dégueulasse. Vous avez des ondulations sur l'écran. Voilà. Donc je vous ai fait des captures avec mon petit téléphone. J'espère que ça rendra. Je vous lance les vidéos en plein écran. Voilà, à vous de voir, à vous de juger. Petit complément d'information, il y a fort longtemps, j'ai laissé des messages à la team RGB Pi concernant ce désagrément, savoir d'où ça venait et s'ils pouvaient y remédier. Malheureusement, rien n'a été fait dans ce sens. Voilà, j'ai été ravi de faire cette vidéo qui était dans un format beaucoup plus court que la première. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner. La semaine prochaine, une petite surprise. Je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Ciao!